Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous avons un nouveau texte de lecture dont l'objectif est de lire un texte narratif. Tout d'abord, regardons cette image. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Oui, tu vois, ou bien je vois, ou bien nous voyons des enfants. Alors, que fait cet enfant? Oui, il raconte son voyage à ses amis. Il raconte son voyage à ses amis. Je révise des sons. Train, très, trajet, roi, moi, foi, voix. Un, train, prin, première, prix, plein, plage, plat. Lisez maintenant silencieusement le texte. Pendant les dernières vacances, nous avons voyagé, ma famille et moi, au nord du Maroc. Nous avons pris le TGV à Casablanca. C'est un train confortable et très rapide. Le trajet a duré 2 heures et 10 minutes. À Tanger, nous avons dîné dans un restaurant au bord de la mer. La vue de la plage était magnifique et les plats délicieux. Nous avons passé la nuit dans un superbe hôtel. C'est la première fois que je vois Tanger. Je répète, pendant les dernières vacances, nous avons voyagé, ma famille et moi, au nord du Maroc. Nous avons pris le TGV à Casablanca. C'est un train confortable et très rapide. Le trajet a duré 2 heures et 10 minutes. À Tanger, nous avons dîné dans un restaurant au bord de la mer. La vue de la plage était magnifique et les plats délicieux. Nous avons passé la nuit dans un superbe hôtel. C'est la première fois que je vois Tanger. Bien. Je lis et je comprends. Lis les phrases, puis écris vrai ou faux. Jomana a voyagé seule. Jomana a voyagé avec sa famille. Jomana a voyagé seule. C'est faux. Jomana a pris le TGV. Est-ce que Jomana a pris le train ou bien? Est-ce que Jomana a pris le car? Est-ce que Jomana a pris l'avion? Est-ce que Jomana a pris le grand taxi? Jomana a pris le TGV. C'est vrai. Jomana est parti à Marrakech? C'est faux. Jomana est parti à Tanger.
Je réponds aux questions. Jumana a voyagé avec qui? Jumana a voyagé avec sa famille. Comment est le TGV? Le TGV est très rapide. Quand a voyagé la famille? La famille a voyagé pendant les dernières vacances. Je lis et j'écris. Écris une phrase pour répondre à la question. Où la famille a-t-elle passé la nuit? Oui, la famille a passé la nuit dans un superbe hôtel. Quatrième exercice, complète les phrases. Nous avons pris... Qu'est-ce que nous avons pris à Casablanca? Oui, le TGV. Nous avons pris le TGV à Casablanca. Qu'est-ce que nous avons fait dans un restaurant? Oui, nous avons dîné dans un restaurant. Que fait Jumana avec ses amis? Oui, Jumana raconte son voyage. Jumana raconte son voyage. Écris la phrase en remplaçant le mot souligné par des mots qui ont le même sens. Nous avons pris le TGV. TGV. Nous avons pris le TGV. Oui, nous avons pris le train grande vitesse. Nous avons pris le train grande vitesse. Train. T. Grande. G. Vitesse. V. Nous avons pris le train grande vitesse ou bien nous avons pris le TGV. Sixième exercice, complète la phrase par les mots qui manquent. À Tanger, oui, nous avons dîné où? Dans un restaurant au bord de la mer. Et nous avons, oui, nous avons passé la nuit dans un superbe hôtel. Trouve les noms des villes citées dans le texte et écris-les. Alors, on a deux villes. Cité dans le texte. Oui, Casablanca. Oui, la ville de Casablanca. Oui, et la ville de Tanger. La ville de Tanger et la ville de Casablanca. Bien. Huitième exercice, remplace les mots soulignés par mon, je, aimer et écris la phrase. Jumana raconte son voyage à ses camarades. Jumana, c'est elle. Elle raconte son voyage à ses camarades. Donc à la place de elle, ou bien à la place de Jumana, je mets je. Je raconte. Est-ce que je raconte son voyage? Non, je raconte mon voyage. Donc je raconte mon voyage à ses camarades? Non. Je raconte mon voyage à mes camarades. Je raconte mon voyage à mes camarades.